Et salut tout le monde, c'est le Raptor. On se retrouve pour l'épisode 5 de Marvel Avengers. On va faire la toundra enneigée. C'est bizarre, hein. Je sais pas si vraiment une toundra ça va être enneigée. Ça peut être enneigée, mais bon, apparemment dans le jeu c'est possible. Hein, donc. Certaines missions vous conduiront à affronter des ennemis avec des capacités ou des modificateurs spéciaux. Je vous recommande d'examiner avec soin les paramètres de chaque mission et de vous équiper en conséquence. D'après nos rapports, les forces de l'AIM dans cette région utilisent des armes cryogéniques. Toute pièce d'équipement offrant une résistance au froid augmentera vos chances de réussite. Ok. Ok, bon ben on a pas ça. Tu savais qu'il était là depuis tout ce temps? Pas du tout, je t'assure. Tu voulais juste faire un petit road trip en camping-car, pas vrai? Non. 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 Nouveau héros disponible. Luc est maintenant disponible dans la sélection des deux héros. Bon, on peut... Bon, Hulk, on doit trouver cette liaison neurale. Peut-être qu'on pourra en apprendre plus sur ce qui est arrivé à Cap. Enfin, j'espère. Je vous donne accès à la fréquence sécurisée du Shield. Elle devrait vous mener au bunker. Attendez. Je détecte des interférences. Quelque chose bloque le tracker. Essayez de trouver ce que c'est. D'accord. Il faudra garder un œil sur lui, quand même. Yem n'a pas le bunker. Ils ont installé leur propre base dans la même zone. Essayez de ne pas vous faire repérer. Pastache, pas vrai, Hulk? Pas d'inquiétude. Je vais vous guider jusqu'au brouilleur de signaux. Là-haut, c'est un vaisseau de l'AIM. Il y a un conteneur de ressources spécial à proximité. Et les mots qui obtiennent le signal devraient être quelque part par là. Sois vigilant. J'ai entendu. Conteneur de ressources... Ah, il est là. Il est gelé. Bon, du lieu, c'est un peu normal. C'est joli ici, en tout cas. Je peux prendre une photographie du paysage pour pouvoir l'admirer plus tard. Oui, désolé, on se concentre. Je détecte une unité d'élite de l'AIM près de vous. Battez-la et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Là, où la zone est en face,
pas un truc intéressant. Vous allez devoir vous occuper de ce qui perturbe le signal avant de chercher le bunker. Mes excuses, continuez. Hop, un peu de plasma. Donc il va beaucoup de ressources hein. Puissance 5. Toi je vais t'améliorer. Ok, toi t'es niveau max. Il manque un peu, ça je ne peux pas. Ah si je peux. Et là j'ai rien de nouveau. Ok, est-ce que ça va être du bon équipement là? Je me demande ce qu'il y a dans ce bâtiment de l'AIM. Si vous voulez en savoir plus, il devrait y avoir un mécanisme de verrouillage externe pour ouvrir les portes. Ah oui, une sorte d'interrupteur. Tu peux regarder si t'en trouves un par ici, Hulk ? L'AIM est droit devant. Tu peux passer discrètement ? Apparemment pas. Ouais, mais active-toi. Je peux ouvrir ça, ça marche pas. Je vais dessus, ça ne marche pas. Je peux faire ça moi.
Ça marche pas. Ça marche là. Ouais, sauf que moi j'aurais bien aimé avoir le coffre. Bon, pas grave. Tant pis pour le corps. Je m'en occupe. Vous êtes fait. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Allez, on fait ça à Spider-Man. Et je peux pas faire. Bon, je peux monter là-haut. Ah ouais, le rocher. J'ai accès. C'est vraiment rapide. Nice. Non, faut pas que je tombe. Allez, ouvre-moi ça. Allez, ça fait plaisir. Oh, des petits gants. Des bons trucs. Comparer l'équipement. Ok, alors déjà on va comparer le bracelet.
arrive. Pourquoi? Ah ok, pour ça. Toi, t'es un Avenger? C'est sûrement cette antenne qui brouille notre signal. Vous allez devoir affronter les forces de l'AIM pour l'atteindre. On va leur montrer, mon grand. Hop, réglé. C'est terminé pour toi. Réapparition limitée. J'essaie de libérer le signal. Restez à proximité du système de sécurité. Je progresse. Tenez les forces de l'AIM à distance du système de sécurité, s'il vous plaît. C'est un pied. J'ai presque pris le contrôle du système de sécurité. Tenez encore un peu. Il fait cher. Je suis un peu débordé par ici. Ces ennemis doivent être neutralisés. Le signal devrait pouvoir passer maintenant. Je le reçois parfaitement. Le tracker vous mènera jusqu'au bunker du Shield. Il faut suivre les bips. C'est parti. Le commandant Hill est toujours injoignable, hein. Mais j'essaye de pas paniquer. On va pouvoir se réchauffer, Hulk. Au fait, tu ressens le froid? Les données ne sont pas concluantes. Trouver le bunker du Shield est plus difficile que prévu. On approche. Tu vois quelque chose? Non. Je crois que j'ai trouvé. C'est bizarre, ça, hein. Bon travail. Espérons que la liaison neurale soit à l'intérieur. Tu vas bientôt pouvoir être de nouveau toi-même, Jarvis. Merci. Il est assez déplaisant d'exister sans bénéficier d'un accès instantané à toutes les informations de l'univers connu. Ça fait quoi? De pas avoir de liaison, je veux dire. C'est comme une sorte d'amnésie? Je ne suis pas certain de ce que l'équivalent humain pourrait être.
J'imagine que ce serait comme être interdit de bibliothèque. Oh, comme quand Ami éteint le wifi. Par exemple. Je peux quitter Ami, mais c'est pas qu'on le verra. Oula, oula, on ira pas dans une horreur. Oh, on va devoir fouiller partout. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Oh, deux coffres. Ok. Ok. On a eu... Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est moins bien, certes. Ok. On va chercher d'abord d'autres coffres. Ah, il y a un coffre là. Là, on est bien. Ok, c'est un casse-sable. Bon bah, allez, il est temps de récupérer les données. Celle-là, on l'avait déjà fait. Ah, j'aurais dû faire dans l'ordre. Là, là, il y a rien. Allez, go, récupérer la mémoire. La liaison neurale est tout près. Cool. Oh, wow. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que nous avons déclenché un système de sécurité secret du Chine. Avenger détecté. Bonjour Avengers. Ça fait longtemps. Nick Fury? Si vous entendez ça, alors le pire est arrivé. Ils m'ont eu. Et ça veut dire que j'ai besoin de vous plus que jamais. J'ai toujours craint que le Chine ne s'effondre. J'ai donc fait en sorte qu'il puisse se relever. Voici les protocoles du SHIELD. Le SHIELD fut créé pour défendre le monde. Dans un moment comme celui-ci, où tout semble perdu, nous devons nous lever et faire front. Rendez-moi service. Apportez ces protocoles au sous-directeur actuel. Ils permettront au SHIELD de se reconstruire. Bonne chance, Avengers. Terminé. C'était Nick Fury. Le directeur du SHIELD.
Les protocoles dont il a parlé doivent être à l'intérieur. Oh, les coffres. Oh là, j'espère qu'il y a des bons trucs dedans. Oh, en tout cas, d'après. Alors là, j'ai rien eu dedans. Pas grave. Pareil. Là, j'ai eu ça. On voit comme. On voit. Et là, j'ai eu. Pareil. Putain, je t'améliore. Voilà, puissance 7. C'est bien, non? Ils ont dû vous suivre. Protégez la liaison. Je pense pouvoir transférer les protocoles sur un serveur sécurisé. On doit rapporter ces données aux chimères. Tu penses qu'on peut s'occuper d'eux? Voilà ce que je vais voir. Les fichiers sont sécurisés. Et yeah. On a la liaison neurale. Beau travail, Hulk. Top là. Fichons le camp d'ici. Liaison manquante. C'est bon, j'ai fait. Mieux que prévu, pas vrai, Jarvis? On ferait mieux de rapporter tout ça aux chimères. Configuration de l'itinéraire. Allez. Elle est contente.
Maintenant que la liaison neurale a été installée avec succès, j'ai accès à toute ma base de données. Le directeur Hill examine les protocoles SHIELD que vous avez également récupérés. Tu te sens mieux, Jarvis ? Tout semble être en état de marche. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi, pour le SHIELD. Merci, Bruce. Et merci, Kamala. Avec ça, je vais pouvoir commencer à reconstruire le SHIELD. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je pense qu'on va se voir beaucoup plus dorénavant. Avec plaisir, Madame la Directrice. Est-ce que je suis censée faire un salut ou... Non, ce n'est pas la peine. Bonne chance à tous les deux. Jarvis, tu crois que tu peux nous trouver Tony ? Il va me falloir un moment, mais je devrais pouvoir trouver Monsieur Stark. En attendant, j'ai trouvé quelque chose qui devrait intéresser Mademoiselle Khan dans la salle armes. Dans la quoi ? La machine de réalité augmentée holographique. Les Avengers l'utilisent pour s'entraîner. Wow, ça a l'air génial ! Wow. Cependant, je préfère vous prévenir que le système risque d'être inconstant. C'est pas dangereux ? Le risque de blessure est de 0,0001%. Ok, je te fais confiance, je crois. Traversez les quartiers de l'équipage. La pièce arme est située à l'étage inférieur du hangar. Merci, Jarvis. Ici Phil Sheldon, en direct du campus de recherche. J'ai du mal à croire que c'est réel. Un Quinjet vient de me déposer sur une base secrète du SHIELD, on a vu Nick Fury, et là je suis en train de parler avec Jarvis, et je suis en train de perdre mon calme. Inutile de vous excuser, Mademoiselle Khan. Réo. La neige a fondu maintenant. L'IM peut pas localiser ce truc, si ? Le Quinjet est équipé d'une technologie de camouflage avancée. Nous sommes hors de danger pour l'instant. Bien. C'est ça, les Quinjet, ils sont pas pliés. Je suis prête. J'active le processus. Ok. Oh, quoi ? Voici ARM, la machine de réalité augmentée holographique. Je suis Iron Man ! En effet, j'ai connecté l'ancien simulateur de vol de Monsieur Stark. J'espère que cela vous convient. Tu veux rire ? Je suis Iron Man ! Gare à vous, méchant virtuel ! Comment vol ? On aussi un peu à le contrôler aussi Iron Man, non ?
réussir un saut. Attends, je comprends pas. Maintenez, appuyez tout en maintenant. Je saute pas assez haut. Attends. Ah, la vue d'une touche qui bug ou quoi? Ah mais vas-y, il me prend plus sur le côté. Alors là, j'ai pas fait le saut. Ouais mais moi je peux pas courir hein. Ah ok, les deux touches similaires. J'ai du mal à comprendre comment ça marche. Oh, ça va durer longtemps, ça. Fait que bouger.
Attends. Ouais, bon, j'étais pas vraiment prêt pour ça, moi. C'est fini? Comment?
Allez. Petit crochet du droit. L'effet arme. Ok. C'est fini? Oh, je veux recommencer! Si vous voulez. Cependant, je crois avoir localisé Monsieur Stark. Oh! Allons-y! La dernière position connue de Monsieur Stark est la maison de ses ancêtres, Acre Doré. Vous pourrez peut-être y trouver un indice sur l'endroit où il se trouve actuellement. J'en avais jamais entendu parler. Il a pas l'air de vouloir être retrouvé. Non, effectivement. La propriété est située dans une région reculée du Nevada. Je peux vous fournir ses coordonnées précises. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Docteur Banner, j'ai terminé les analyses que vous m'aviez demandées et découvert des traces résiduelles de radiation gamma dans une région isolée du nord-ouest pacifique. Il semble que Madame Rapaccini se serve de vos recherches pour y réaliser des expériences. J'ai marqué l'emplacement sur le terminal de mission. On va prendre un truc et après on va arrêter la vidéo là.
Ça, ça peut être bien. Oh. Dès que je peux, je prends ça, puis ça. Bon allez, on va s'arrêter là. De base, moi, je vais faire le truc Tony Stark. Hein. Bon, s'il faut, c'est ça. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va vous dire au revoir. C'était le Raptor. Je vous dis au revoir tout le monde. Allô. Ok. Je vous dis au revoir.